Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tutoriel pour comment se maquiller. Je m'en suis trop mal mis. Ok. Poupée. Comme au jeu anti-chroma. Elle vit. Elle meurt. Andy, en raison de vos actes mensongers, vous avez été aveuglé par l'argent. Vous l'avez caché à ceux qui vous suivaient sur YouTube. Ceci est un crime. Voici ce qui arrivera à ceux qui, d'après moi, ne respecteront pas les viewers sur YouTube. Faites attention à ce que vous faites. Je ne suis jamais loin. Je suis quelque part. Je suis dans votre ombre. Bienvenue dans votre nouvelle résidence. La cuisine. La chambre à coucher. Et voilà les toilettes. Et voilà le salon. Bon, faites comme chez vous, hein. Je disais que c'était beaucoup mieux avec un peu d'eau et hors de prison. On attend quelqu'un ? Je ne crois pas. Voilà. Ouh. Oh ouais, fais peur, patron. Je sais. Toujours des problèmes de cœur? Ah, toujours. Mais j'essaie de me remettre au sport. Je progresse. Je progresse. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène, patron? J'ai soumis le dossier de la youtubeuse aux experts. Le prochain meurtre est pour bientôt. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est logique. Wow! Wow! J'avais pas vu le con! Sa notoriété monte, il lui faut la conserver. Les enquêteurs ont eu le même raisonnement. Je suis impressionné. Il est hors de question qu'on vous suive dans cette enquête. Merci d'avoir proposé. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Je comprends rien, là, moi. Pour faire court, ces deux personnes nous ont déjà aidés sur une ancienne enquête. Et sinon, vous voulez pas juste me mettre au courant? Voilà le reste de l'équipe. Messieurs, dames, bonsoir. Patron, je vous présente nos deux enquêteurs. Je ne participerai pas. Merci de m'avoir demandé. Ah, c'est fort aimable de nous rendre visite. Écoutez, les matelas sont très confortables, c'est très propre, je vous remercie. Donc du coup, je vous laisse, parce que j'ai une irrésistible envie de lire, et bonne journée. C'est toujours comme ça, lui. Seulement depuis que vous êtes là. Tant pis, il faut se mettre au travail. Il ne faut d'abord établir son réaction. Casser le crime, c'est impossible. Vous avez des indices? Vous avez des pizzas? Voici les antécédents de votre victime. En effet, elle recevait de l'argent des sociétés de maquillage. On a aussi quelques photos prises sur les lieux du crime. On a des empreintes? Aucune. Y a-t-il eu des meurtres dans le coin? Je vais passer des coups de fil pour voir. Y a vraiment aucune empreinte? Hormis celle d'Arthur, aucune. J'ai eu la confirmation du ministère. 4 crimes ont été commis ces deux dernières semaines. Comment avez-vous pu passer à côté? Ce sont des youtubeurs? Comment vous avez deviné? Une intuition.
Donc il ne doit pas en être à son coup d'essai. Alors pourquoi il ne s'est pas manifesté avant? Peut-être qu'il cherche à attirer une certaine attention sur lui. Attention qu'il n'avait pas avec les autres médias. Et c'est YouTube qui lui a donné la possibilité de se faire connaître. Et vous avez les adresses des crimes? Bien sûr. Parfait. On peut en déduire son cercle d'action. Vous avez des photos de la scène du crime? Bien sûr. Tenez. Pourquoi tu veux pas nous aider? C'est aussi intéressant qu'une vidéo de chaton. C'est drôle. C'est mignon. Et pourtant, ça n'a aucun intérêt. Tu veux pas au moins jeter un coup d'œil? Non, rien d'anormal, mon capitaine. C'est ta mauvaise foi. Bon, ok. As-tu déjà joué au tarot? Focalisons-nous sur les youtubeurs de la zone. Patron, sans vouloir vous offenser. De nos jours, tout le monde a une chaîne YouTube. Pourrions-nous nous baser sur le nombre de vues? Ce n'est pas assez précis. Alors quoi de neuf? Rien, justement. Et avec ces photos? Inutile. Qu'est-ce que... Y a-t-il un YouTuber qui fait des vidéos sur les jeux de société? Attendez que je vérifie. Oui, il y en a deux. Ok, une chance sur deux. Quels sont leurs pseudonymes? Hardware et As de YouTube. Je crois que la chance nous sourit. Ok, je veux une équipe d'intervention 36 rue du Somme. Comment ça, aucune équipe dispo? Il faut combien de temps pour y aller? Ok, vous restez ici avec Guillaume et Arthur. Mais... Commissaire, on y va. Ça y est, on a trouvé la prochaine victime. Je sais. Ça a pas l'air de te réjouir. Dis, rassure-moi d'un truc. Oui. Hein? Tu as bien vu qu'il s'était trompé, n'est-ce pas?